Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ça va être mes cadeaux de Noël. Donc petit disclaimer, je ne fais pas ça pour étaler tout ce que j'ai eu etc etc. C'est juste parce que j'aime beaucoup regarder cette vidéo sur YouTube donc je me suis dit que ce serait sympa de la faire à mon tour. Donc tout d'abord, oui, je sais que j'ai été extrêmement gâtée parce que j'ai eu beaucoup de choses. Donc voilà, c'est la chance que j'ai et je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont acheté des cadeaux. Donc tout d'abord j'ai eu une veilleuse, voilà. Donc elle se présente comme ceci, il y a des nuages et des étoiles et quand on appuie sur le dessous en fait ça s'allume, donc il y en a même ici pour que ça reflète sur le plafond, donc je vous mettrai un petit insert parce que vous n'allez rien voir du tout de comment cela. Ensuite j'ai eu une figurine pop. Donc c'est Scarlet Witch dans Captain America et Avengers. Donc c'est mon personnage préféré de cette saga. Donc je suis trop trop contente. Elle est juste trop belle. Ensuite j'ai eu une écharpe. Donc elle est un peu gris bleuté. Et il y a un petit trou pour qu'on puisse la mettre hop comme ça. C'est super pratique. En plus elle est juste super douce. Vraiment elle est toute pilou pilou. J'ai eu des Tsum Tsum, hein, grande surprise. Donc tout d'abord j'ai eu le bag d'Embo, voilà, donc il est juste trop mignon. Et à l'intérieur il y a les 4 Tsum de d'Embo, donc la petite souris, d'Embo maquillée, la maman d'Embo et un petit d'Embo. Et j'ai eu les Tsum Tsum de Vaiana, donc j'ai eu les 3 méchants. Les petits méchants qu'on voit dans le dessin animé. J'ai eu Maui. Il est juste trop trop bien fait. Il y a des tatouages partout. J'aime trop. J'ai eu Diana. Avec sa petite robe et sa petite fleur dans les cheveux. Elle est juste trop belle. Et j'ai eu donc le coq. Et Pua. Il est juste trop trop beau. Regardez. Trop. Ensuite j'ai eu une petite tasse, enfin c'est plutôt une jarre, donc j'aime trop. C'est trop trop pratique pour boire le jus d'orange le matin, pour mélanger avec mon Berry Boost. Ensuite j'ai eu un coffret, donc de BD Zootopie avec le livre de la jungle et le Tsum Tsum de Judy, qui est en policière, donc que je n'avais pas et qui n'était même pas sorti comme ça en France. Voilà, avec évidemment, si j'arrivais à sortir, les deux DVD, donc Zootopie et le livre de la jungle. J'ai eu deux livres, donc le premier c'est le nouvel Harry Potter, voilà, et l'autre c'est le tome 6 de The Mortal Instrument. Donc ensuite j'ai eu une petite bonne femme que normalement on peut accrocher dans le sapin ou autre. Et je la trouve trop 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 jolie. J'ai eu aussi une paire de chaussures. Alors la boîte elle est un peu abîmée, mais ce sont des cuissardes. Elles sont juste trop trop belles. Voilà, donc là il y a le petit nœud derrière. Hop, elle monte. Sans talon, toute grise, trop trop belle. J'ai eu aussi, alors là vous n'allez pas très très bien voir, mais c'est un tapis en forme de nuage gris, donc qui est juste trop 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 beau, qui va aller super bien dans ma chambre. Et pour finir, donc j'ai eu du maquillage. Alors tout d'abord j'ai eu des NYX lingerie. Donc ils sont juste trop trop beaux. Les trois comme ça, donc dans les teintes marron. Donc j'ai eu le 11, le 02 et le 09. Donc je vais vous faire des swatchs. Parce qu'ils sont juste magnifiques. Alors. Voilà, donc là c'est le numéro 9. Vous allez bien voir. Ensuite le numéro 11.
qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus orangé, nude. Et le dernier, donc le 02, qui tire un peu plus sur les prunes. J'ai eu aussi un Huda Beauty. Donc déjà, le packaging, il est juste magnifique. Et donc moi, c'est le Muse que j'ai eu. Donc c'est un... encore un peu dans les tons marron, mais qui tire plus vers bois de rose. Vous voyez? Et en plus, ça sent super bon. Voilà. Hop. J'ai eu la Moonlight, Moonchild, c'est pas grave, Glow Kit de Anastasia Beverly Hills. Donc, je les ai déjà swatchés, si vous voyez qu'il y a des traces. C'est une palette d'enlumineur. Elle est juste magnifique. Et pour l'instant, mon préféré, c'est le premier qui illumine de ouf. Ils sont juste dingue. Donc, je vais pas vous faire les swatchs parce que vous n'allez pas voir grand chose. Mais elle est juste dinguissime. Et la dernière chose que j'ai eue, c'est le Christmas in New York. Donc, The Chocolate Shop. Donc c'est le coffret de Noël. Et il est juste trop beau. C'est une dinguerie aussi. Donc voilà comment ça se présente. Hop, on le voit ici. Et hop, voilà. Donc déjà, rien que ça, comment c'est présenté ou autre, c'est juste de la folie. Et ensuite, hop, on a tous les fards qui sont ici. C'est juste une dinguerie de fou. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été hyper gâtée. Je remercie encore une fois toutes les personnes. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses de ma wishlist, donc je suis super contente. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine vidéo.